Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Dechen Kenzang Trinley. Ce soir, eh bien, nous allons aborder un sujet qui, j'espère, va vous passionner. Nous allons le faire en deux vidéos. Dans une première vidéo, nous allons parler des aspects à proprement politiques de l'histoire de la Chine et donc du Tibet. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, nous allons parler du lamaïsme, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont imposées par les médias en Occident, notamment que le Tibet serait un État indépendant colonisé par la Chine, premier mensonge. Et deuxième mensonge, c'est que le Dalai Lama serait le chef des Tibétains en exil. Peut-être, il avait été élu par les Tibétains en exil, chef de son parlement. Il ne l'est plus depuis un certain temps. Il a même donné sa démission l'année dernière, dans le cadre d'une opération politique qui n'a rien à envier à l'histoire assez nauséabonde de la langue du petit garçon. Et donc, le Dalai Lama n'est que le chef de son école religieuse, une des deux écoles des bonnets jaunes. Il y a cinq écoles religieuses au Tibet, mais il faut savoir que le lamaïsme est aussi présent aux frontières de l'Europe, dans le Caucase, que le lamaïsme est présent en Russie, il est aussi présent en Mongolie, et qu'il n'y a évidemment aucun lien avec le Dalai Lama, puisqu'il s'agit d'écoles totalement indépendantes du lamaïsme. Donc il y a bien un lamaïsme tibétain, il y a un lamaïsme en règle générale. Le lamaïsme tibétain est un des lamaïsmes, et au sein du lamaïsme tibétain, le Dalai Lama n'est le chef que une seule des écoles. Il y a même une école qui n'a pas de chef, c'est la mienne, celle des Nyingmapa, où chaque lama est totalement indépendant et organise son centre, l'enseignement tel qu'il l'entend et en accord avec la transmission dans sa propre lignée. Donc, on va faire donc deux vidéos, une première qui est historique et politique, et une deuxième qui est beaucoup plus religieuse parce que je vais vous expliquer un, ce qu'est le lamaïsme, deux, ce qu'est le lamaïsme tibétain, le lamaïsme mongol, le lamaïsme occidental, et le lamaïsme caucasien, et le lamaïsme russe. Et puis ensuite, eh bien, je vous parlerai en particulier de l'école qui est la nôtre, un centre Nyingmapa et Kagyupa, surtout Nyingmapa, qui est consacré à l'enseignement du Sipei Korlo et du Bön. C'est ce qu'on appelle en règle générale la voie du Dzogchen, qui est la voie la plus ancienne du Tibet et la voie la plus ancienne du lamaïsme. Tout de suite. Alors je sais que cette vidéo, elle va beaucoup choquer, elle va surprendre beaucoup de personnes. Elle m'a voulu depuis 20 ans d'être excommunié des milieux tibétains en exil, d'être considéré comme un hérétique. On a même mis en cause ma prise de refuge, mon ordination, mes capacités, la validité de mon enseignement, etc. On m'a tiré dessus à bout portant. Faut savoir que ça a amené à une situation de crise parce que je suis un pratiquant de Dorje Tsugden, de la lignée Kadampa, qui est un des protecteurs du Dharma, qui veut que chaque école reste dans sa propre technique, avec ses propres spécificités, et qui interdit tout syncrétisme ou la constitution d'un espèce de super pape du bouddhisme. Tout comme le pape Jean-Paul II voudrait être le pape de tous les chrétiens, ben le Dalai Lama avait l'ambition, avec l'aide de la couronne britannique et de la CIA, d'être le chef de tous les bouddhistes. Et évidemment, ça ne correspond pas à l'histoire du bouddhisme, c'est complètement influencé par l'Occident et ça ne correspond pas à la tradition du bouddhisme ni à l'enseignement du Bouddha. Donc le Dalai Lama hérétique, sans doute pas, si c'est lui qui écrit ses livres, il est bien dans l'orthodoxie bouddhiste, mais en tant que chef politique du Tibet, eh bien, il est l'héritier d'une très longue magouille, notamment avec les nazis. Et c'est ce qu'on va voir à la suite. Alors, il faut savoir que la population qui occupe actuellement l'arc himalayen, elle est arrivée depuis l'Afrique il y a environ 5000 ans dans cette zone-là. Elle s'est d'abord installée en Chine, dans la zone du fleuve jaune. Cette population venue d'Afrique,
par le Caucase qui s'est répandue en Chine, elle est ensuite remontée vers l'arc himalayen. Donc la population tibétaine est bien d'origine chinoise. L'ascendance des Tibétains, elle apparaît très clairement vers 3400 avant Jésus-Christ, à partir de trois ancêtres locaux dont on a retrouvé l'ADN et qui, contrairement aux Chinois, se sont spécialisés sous une influence occidentale, on verra laquelle, à la culture de l'orge et non à la culture du riz. Vers 2800 ans avant Jésus-Christ, on connaît une migration, cette fois-ci indienne, qui vient du fleuve Brahmapoutra. En 1990, des fouilles des sites néolithiques indiquent une parenté très nette génétique entre les Tibétains et les Kwang de la Chine, et en particulier de la région actuelle du Sichuan. Cette civilisation s'est développée il y a environ 1200 ans, enfin environ 1200 ans avant Jésus-Christ, et cette civilisation était née en Afrique, c'est la civilisation de l'âge de fer, qui était née en Afrique vers 2000 ans avant Jésus-Christ. La première mention occidentale et moderne, elle a lieu vers l'an 130-140 en Europe par Ptolémée, qui mentionne le peuple des Beudes, qui deviendra donc les Beunes, qui dit être les habitants eh bien, de grandes forteresses et d'une très grande et prestigieuse culture au sein de l'Himalaya. Les Tibétains font eux-mêmes remonter leur dynastie royale à Nyatritsenpo, qui était venu d'Inde via le Népal, avec la religion du 13e Bouddha, qui est la religion du Bön de Tenpa Shinran Miwoshe. Donc c'est cette religion que nous pratiquons dans notre lignée. Nous pratiquons le shivaïsme du Cachemire, Kampa Masambawa, le fondateur du lamaïsme au Tibet, mais aussi le bouddhisme Bön, qui est originaire du 13e Bouddha, qui lui s'était manifesté eh bien, dans la zone actuelle de la Mésopotamie, donc vers l'Irak, l'Iran, l'Irak, et ensuite les enseignements du 14e Bouddha, le Bouddha Sakyamuni. Il faut savoir que Padmasambhava, donc le fondateur du lamaïsme, il est considéré comme le 15e, potentiellement le 15e Bouddha, c'est-à-dire que, eh bien, il avait été annoncé par Sakyamuni comme celui qui naîtrait d'un lotus et qui inventerait une nouvelle forme de lotus, ce qui a été fait au Tibet au 7e siècle. Les Tibétains font remonter leur origine à quelque chose d'un peu particulier. Ils disent qu'ils sont le croisement d'un singe et d'une ogresse des roches qui serait venue de l'espace. Donc une femme venue de l'espace, et ils désignent en particulier la planète Mars, et d'un singe, c'est-à-dire d'un habitant local, qu'ils identifient à des émanations d'Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion pour le singe, et à Tara, pour eh bien, cette ogresse venue de Mars, Tara rouge. Au 7e siècle jusqu'au 9e siècle, la monarchie tibétaine va créer un empire. Eh bien, d'abord en 817, arrive le maître shivaïte du Cachemire Padmasambhava, dont je viens de parler à l'instant, qui incorpore le bön, le bouddhisme indien qui avait été amené par l'abbé Shantarakshita, qu'il avait amené de l'université de Nalanda en Inde, une grande université bouddhiste dans l'état de Béhar. En 802, Béhar en 802, et effectivement, Padmasambhava va faire un mix du bouddhisme de Sakyamuni, du bouddhisme du 13e Bouddha Tenpa Shenrab, Miwoshe en tibétain, ça veut dire Bouddha, et eh bien effectivement du shivaïsme du Cachemire. Donc c'est un maître shivaïsme qui va fondre le bön et le bouddhisme qui avait été apporté d'Inde par Shantarakshita en une seule religion. Il va construire un premier monastère dont la réplique a été faite en France et qui est le monastère des 1000 Bouddhas en Bourgogne. En 822, eh bien, le roi ou l'empereur du Tibet signe un accord avec la Chine, avec la dynastie des Tang. Ce roi du Tibet, il s'appelle Trirapachen. En 842, le Tibet n'arrive pas à se maintenir en tant que puissance associée à la Chine, rattachée à la Chine. Il y a une espèce d'explosion interne qui va se produire en une multitude de petites principautés, un peu comme ça a été le cas de l'Allemagne après la mort de Charlemagne. En 1227 arrive Genghis Khan, l'empereur mongol, et en 1246, le Tibet est incorporé dans l'empire de Genghis Khan sous le protectorat mongol.
Et puis il va rester comme ça, le Tibet, jusqu'au XVIIe siècle, partie intégrante de l'Empire mongol. À ce moment-là, les Mandchous deviennent empereurs de Chine, ils prennent possession de la Chine, et on a un immense empire qui comprend la Mongolie de Genghis Khan et le Tibet de Genghis Khan, et effectivement la Chine en un seul empire. Ce système, il se maintient avec des hauts et des bas, donc sous gouvernement commun Mongolie-Chine-Tibet. Le gouvernement est localisé en Chine, c'est donc la dynastie des Mandchous. À la fin du XVIIe siècle, eh bien, le Tibet envahit le Ladakh et les Tibétains forcent le roi du Ladakh à se convertir à l'islam. Et puis l'histoire va continuer. En 1720, les Qing, qui règnent sur la Chine, eh bien, considèrent que le Tibet fait partie de la Chine. Et effectivement, le Tibet fait partie de la Chine sous les Qing jusqu'en 1911. Par contre, il va avoir un certain nombre d'incidents qui sont liés à l'influence occidentale. En 1841 puis en 1844, il y a une invasion népalaise. Donc les Tibétains deviennent népalais, sont arrachés à la Chine. Chine, Mongolie, Tibet ensemble. En 1903, c'est le tour des Britanniques qui prennent possession du Tibet. Et en 1904, eh bien, ils vont pousser le Dalai Lama, qui est roi du Tibet à cette époque-là, à se tourner vers la Russie et de demander à la Russie d'intervenir militairement contre l'Angleterre. Or, la Russie a déjà des problèmes avec le Japon et le tsar Nicolas ne donnera aucune réponse eh bien, au Dalai Lama. En 1906, le traité de Pékin, qui est ratifié avec les Anglais et la Chine, déclare que le Tibet est chinois et partie intégrante de la Chine au moins depuis 1246. Donc on a un Tibet qui, pendant plus de 700 ans en réalité, ou un petit peu moins de 700 ans, est complètement chinois et intégré à la Chine. Mais on ne parle plus de Chine, de Tibet ou de Mongolie, c'est qu'un seul empire, celui des Qing. En 1912, le Dalai Lama, le 13e Dalai Lama, tente un coup d'État et va se maintenir au pouvoir jusqu'en 1951. En 1949, eh bien, l'Inde déclare le Tibet chinois dans une reconnaissance internationale. En 1951, la République populaire de Chine réaffirme le traité entre le Dalai Lama et la Grande-Bretagne et restaure le pouvoir chinois au Tibet, alors que le Tibet a sombré dans l'anarchie et une théocratie de type iranienne. La théocratie tibétaine s'effondre et le Dalai Lama signe un accord politique de rétablissement du Tibet en pleine possession de la Chine et de la Mongolie intérieure, puisqu'il y a une Mongolie qui est toujours à l'intérieur de la République populaire de Chine et une Mongolie extérieure qui n'est pas dans la République populaire de Chine, puisqu'il y a une division sous l'influence russe. En 1959, la CIA finance une révolte dans l'Amdo. Et le Dalai Lama s'enfuit vers l'Inde avec l'assistance de la CIA qui veut utiliser le Dalai Lama dans une stratégie de lutte contre le communisme. Lors de l'affrontement avec la Chine, 87 000 Tibétains sont tués et 100 000 Tibétains quittent le plus librement du monde le Tibet pour l'Inde. Le Panchen Lama est alors nommé par l'aristocratie tibétaine roi du Tibet et il reste roi du Tibet jusqu'en 1965. À partir de 1965, le Panchen Lama donne sa démission en tant que roi du Tibet, d'une province autonome gouvernée en commun avec la Chine et la Mongolie intérieure, et le Tibet devient une province autonome de la République populaire des Chines. La preuve, c'est d'ailleurs que les Tibétains ont leur propre passeport tibétains et n'ont pas un passeport chinois. En 1966 éclate la révolution culturelle. Le nationaliste Mao décide par stratégie politique et craignant l'influence occidentale et indienne de se rapprocher de l'URSS pour éviter cette ingérence occidentale et il se raccroche au marxisme, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. La révolution culturelle, elle a lieu de 1966 à 1976. Elle sera ponctuée d'ailleurs par le procès de la bande des quatre, où la veuve de Mao écopera d'une peine de prison à vie et d'une peine de mort pour avoir trahi l'idéal de la République populaire de Chine.
Pendant que la révolution culturelle fait 20 millions de morts en Chine, il y a seulement 110 000 morts au Tibet. 110 000 morts, c'est quand même beaucoup. On a la preuve des chiffres et que le Dalai Lama ment quand il dit qu'il y a 1 300 000 Tibétains qui ont été exécutés, puisqu'on a un recensement en 1953, on en a un autre en 1964 et on a un déficit sur cette période de 12 ans de 250 000 personnes. Donc si on fait le calcul 110 000 morts et 100 000 exilés, ça fait 220 000, il reste 30 000 personnes dont on n'est pas à peu près sûr du sort. Il faut savoir que le Tibet, dans la révolution culturelle, il n'y a que trois monastères qui ont été détruits, principaux, pour avoir pris parti pour le Dalai Lama, et que les monastères n'ont pas été détruits et les moines n'ont pas subi de persécution particulière. Le Tibet a été même une des régions les moins persécutées sur la question religieuse pendant la révolution culturelle. En 1980, Hu Yaobang, le président du Parti communiste chinois, déclare le Tibet province autonome et rapatrie la plupart des cadres Han du Parti communiste. Ils sont intégralement remplacés par des Tibétains, des Chinois tibétains. En 1986, tous les droits religieux sont rétablis. Les tulkus continuent à être nommés. Il y a 1 700 tulkus actuellement au Tibet et environ 120 000 moines tibétains dans la province chinoise du Tibet. En 1988, le 10e Panchen Lama dénonce publiquement l'absurdité de certaines mesures administratives et il est suivi par Pékin qui va soutenir le Panchen Lama et mener de grandes réformes administratives. À l'heure actuelle, il y a plus de 12 000 professeurs de tibétain qui sont rémunérés par la République populaire de Chine et le tibétain est enseigné jusqu'à Pékin. Pour l'ONU, le Tibet fait partie du territoire de la République populaire de Chine depuis au moins 700 ans. C'est vrai en droit international, c'est vrai au regard de l'histoire. Et l'ONU a rappelé que le droit à l'indépendance du Tibet n'existe pas plus que celui de l'indépendance de l'Alsace en France ou du canton de Vaud en Suisse. En 1988, lors de sa visite en Chine, le président Clinton rappelle que le Tibet fait partie, avec la Mongolie intérieure, le Tibet et la Chine, font partie d'un même ensemble qui s'appelle la République populaire de Chine. À l'heure actuelle, 70% des dirigeants du Tibet sont de souche tibétaine. 30% sont de différentes ethnies de la Chine. Tout simplement parce que le Tibet ayant de très très grandes terres et 250 000 Tibétains ayant disparu, une partie pendant la révolution culturelle et une autre partie en exil, eh bien, il y a eu un mouvement migratoire. Il y a environ 300 000 Han qui se sont installés au Tibet. Qui ont acheté des terres et qui ont exploité ces terres. À l'époque communiste, ils étaient donnés par le Parti communiste. À l'heure actuelle, ils sont propriétaires de leurs terres. Alors, on peut se poser la question, qui est le Dalai Lama? Alors, le Dalai Lama, il est d'abord le chef d'une école des bonnets jaunes. Il est membre de la haute aristocratie qui a été utilisée par les USA et la Grande-Bretagne comme opposant aux nationalistes Mao, puis au communisme. Il est le chef d'une des 5 écoles tibétaines. Et sa fonction a été remplacée en 1959 déjà par celle du Panchen Lama qui s'est retiré en 1965. Donc depuis 1959, le Dalai Lama n'est plus roi du Tibet, c'est le Panchen Lama qui a renoncé en 1965 lorsque le Tibet est devenu une province autonome et une démocratie, une république. On peut se poser maintenant la question, qui soutient le Dalai Lama? Alors, que ce soit aux États-Unis, en Israël ou au Brésil, le Dalai Lama est soutenu par l'extrême droite néo-nazie, que ce soit Bolsonaro, que ce soit Trump ou que ce soit en Israël par Benjamin Netanyahou. Le 13e Dalai Lama, faut-il le rappeler, est un adepte du nazisme convaincu, puisqu'on a des photos de lui faisant le salut hitlérien, après qu'il ait été, il est tenté d'être pro-russe. C'est-à-dire, il a d'abord essayé d'utiliser la Russie et voyant que la Russie ne s'intéressait pas à lui, il s'est tourné vers le Reich allemand avec l'idée que les nazis arriveraient à écraser la Russie et écraser tout le reste de l'Europe pour gouverner tout l'espace eurasiatique. Le 14e Dalai Lama a été d'abord un nationaliste convaincu, un nationaliste chinois. Il appelait Mao Papa. Il y a beaucoup de photos du Dalai Lama avec Mao en grande affection. Puis, lorsque le Parti communiste chinois s'est aperçu que le Dalai Lama et son entourage avaient été contactés par la CIA
Dans le cadre, eh bien, de la lutte contre le communisme, la situation s'est gâtée avec Mao. Le Dalai Lama était invité à se rendre à Pékin pour une réunion politique et il a préféré suivre, avec l'aide de la CIA, à Dharamsala en Inde. Actuellement, on assiste à une nouvelle embrouille du Dalai Lama avec un Mongol de la Mongolie extérieure qui est le Khalkha Gyeltsu Dampa Rinpoché de Mongolie. Il est le chef du lamaïsme mongol et pas du lamaïsme tibétain. Il y a aussi un chef du lamaïsme, eh bien, en Russie. Il y en a un autre dans le Caucase et peut-être en Occident dans la suite. Eh bien, il y aura différents chefs du lamaïsme. Il faut savoir qu'au Brésil, notre spécificité, c'est que toutes les écoles qui se sont installées au Brésil, et elles sont très peu, on est très très peu présents au Brésil, on est tous issus d'un unique et même temple dédié à Dorje Shugden, qui est le protecteur du Dharma, et c'est le groupe Dorje Shugden de Sao Paulo qui a fait venir un certain nombre d'enseignants, mais on n'est vraiment pas beaucoup au Brésil, on est une centaine de milliers. Le fait qu'on pratique Dorje Shugden et qu'on ne soit pas très favorable au Dalai Lama nous a valu beaucoup de problèmes avec les milieux bolsonaristes qui nous accusent d'être des communistes, évidemment. Quand on n'est pas pour Bolsonaro, c'est qu'on est forcément communiste. Voilà. Et quand on n'est pas d'accord quand Bolsonaro vide les caisses, c'est forcément Lula ladron. Voilà, c'est l'inversion accusatoire permanente. En 2021, le Dalai Lama a donné sa démission et il a tenté de persuader l'enfant mongol, issu d'une famille mongole et américaine, de se placer comme successeur en tant que chef, qu'en tant que roi du Tibet et chef des Tibétains en exil, dans le cadre de ce qu'il a présenté, qui serait une espèce de Tibet sorti de la République populaire de Chine avec un propre roi qui serait ce chef du lamaïsme mongol. En réalité, ce que cherche le Dalai Lama, c'est à régler le problème de sa succession. Et puisqu'il a démissionné, il a d'abord démissionné en 1959 en tant que roi du Tibet et il a démissionné en 2021 en tant que chef des Tibétains en exil. Et donc, il y a véritablement un problème qui se pose avec sa réincarnation. Il a d'ailleurs dit lui-même qu'il voudrait être réincarné dans une femme sexy. Et évidemment, il est fort possible qu'il se réincarne au Tibet. Ce qui fait que, eh bien, il sera choisi par les autorités, tibétaines du Tibet avec l'accord du Parti communiste tibétain. Ce qui n'a pas l'air de plaire à la CCIA et au Dalai Lama. Alors, rappelons, un, que le Dalai Lama n'est plus roi des Tibétains depuis 1959, il n'est plus le chef des Tibétains en exil depuis l'année dernière, et que, deuxièmement, il a modifié ces 50 dernières années les accords qu'il avait lui-même signés, et il a essayé d'imposer une réforme religieuse à l'intérieur du lamaïsme que nous, occidentaux, ne voulons pas, que les Mongols ne veulent pas et que les Tibétains et que les lamaïstes du Tibet ne veulent pas du tout. Il est arrivé à corrompre un certain nombre de chefs d'école. Ça n'a pas fonctionné avec les Nyingmapa, puisqu'on est la lignée la plus ancienne et que quand on a vu ce que faisaient les Dalai Lama, on a augmenté les pratiques. Et à chaque fois qu'un chef de l'école Nyingmapa qui a essayé d'aller dans la clique du Dalai Lama, nationaliste du Dalai Lama, on l'a fait tomber. Et donc, notre école n'a pas de chef. Dans l'école Kagyupa, il y a eu évidemment un accord qui a été signé entre le Parti communiste chinois et le Dalai Lama sur la désignation, eh bien, du Karmapa, Orjen Rinpoché. Qui actuellement dit qu'il regrette d'avoir été reconnu comme Rinpoché, qu'il pense à se suicider et qu'il n'est pas à la hauteur de la charge. Évidemment, les proches du 16e Karmapa avaient pris leur devant par rapport aux magouilles du Dalai Lama et notamment Shama Rinpoché a permis d'identifier le véritable Tulku, la véritable réincarnation du 16e Karmapa qui est le 17e Karmapa. Tadjé Dorje Rinpoché, qui s'appelait avant Trinley Dorje Rinpoché, qui s'appelle maintenant Taye Dorje Rinpoché, qui est le 17e Karmapa, et à qui on a proposé d'être dans le cadre de la lignée Kagyu dans laquelle je m'inscris, puisqu'il a de très bons rapports avec mon lama racine, qui est le lama Tenzang de Montchardon, lui a proposé d'être le directeur spirituel de notre école, ce qui permettrait, au cas où il m'arrive quelque chose, que cette école continue à tourner sous la direction de l'école Kagyu. Voilà. On va parler dans une autre vidéo ben, de ce qu'est le lamaïsme. Hein. Le Dalai Lama n'est pas le chef du lamaïsme, il est le chef d'une des écoles du lamaïsme tibétain. Il y a d'autres formes de lamaïsme
en Mongolie, en Chine, au Tibet, à l'extérieur du Tibet et en Occident, et même dans le Caucase. Eh bien, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Vous voyez, aujourd'hui, on enfonce les portes fermées par la CIA et les gens de la gouvernance mondiale qui voudraient que le pape soit le chef de tous les chrétiens, que le Dalai Lama soit le chef de tous les bouddhistes, qui permettrait de mettre tout ce petit monde à Abu Dhabi dans la future maison d'Abraham, enfin dans la maison d'Abraham qui existe, mais qui serait la maison mondiale des religions, où pour chacune des religions, on aurait une marionnette pédophile et cocaïnomane sous contrôle de la gouvernance mondiale. Vous commencez à comprendre, qui il y a derrière. Ce sont les Cananéens, les Édomito-Khazars et les Édomito-Cananéens et les Édomites. Et en réalité, leur programme, c'est un programme de gouvernance mondiale avec des religions mondiales falsifiées qui seraient sous leur contrôle et unies en une seule religion mondiale qui serait une sorte de moralisme religieux qui serait le pendant du moralisme laïque. Voilà. Ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera pas. Genghis Khan a essayé, ça a été un échec total. On se relie tous à la tradition primordiale, mais chaque religion doit garder sa spécificité. Il n'y aura jamais de religion mondiale. Voilà. On se retrouve pour la deuxième vidéo.